Hello, 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 c'est JKB de retour dans Dawn of Man. Et aujourd'hui, on entame le sixième épisode de la série. Enfin, de la série sur de Dawn of Man Beta. Donc, on est toujours sur la carte l'aube continentale. Ça a été traduit aussi. Nous sommes au néolithique. Comme on peut le voir à la quantité de champs à cultiver dans notre village, enfin autour de notre village. Nous avons une population de 45 personnes, une capacité qui est montée à 52 personnes parce qu'on a amélioré nos tentes en hutte, donc maintenant on a 4 emplacements par bâtiment, donc 3. Nous avons du bétail, nous avons des structures de défense et nous avons terminé l'épisode dernier en construisant ce menhir, qui est notre première structure mégalithique. Il y a un début à tout. Voilà. Au niveau technologique, toutes les technologies qu'on voulait avoir au néolithique, en tout cas dans l'immédiat, on les a. Les deux qui restent ici ne sont pas encore nécessaires dans notre situation, mais elles seront utiles quand on aura avancé respectivement à l'âge de cuivre. On aura besoin alors d'avoir de la fabrication sur pilotis pour pouvoir avoir des ânes et des chariots. Et quand on arrivera à l'âge de fer, on débloquera l'excavation de puits pour pouvoir avoir l'énergie hydraulique et construire un moulin à eau. Voilà, dans l'immédiat, je vais accélérer un petit peu le temps pour qu'on traverse l'hiver. On a des réserves de viande qui sont largement suffisantes, et ainsi de suite. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors ceci, cette zone de travail de collecte de plantes sauvages, je pense qu'on va la déplacer. La mettre de l'autre côté de la rivière. On va se mettre là. Et on va faire de même pour la collecte de tanins. On va la mettre de l'autre côté de la rivière. Parce qu'ici, on va déboiser. On va déboiser tout ça pour pouvoir s'étendre de ce côté-là. Alors, pour que ça se fasse automatiquement, on va dire ici on a une limite de production. On a 15 bûches en stock. On va monter la limite de production à 30. Voilà, ça crée des ordres d'abattage déjà. Ils vont me raser tout ça. Cette zone-ci, je vais la détruire. Évidemment, les ordres qui ont déjà été mis sont encore d'application. Deux nouveaux moutons. Ça nous amène à combien ça? 26 sur 30, ouais. Donc dans la place qu'on a fait, on va très très vite rajouter de quoi héberger notre bétail. Le printemps est arrivé, les plantations se font. On a de l'abattage automatique qui se fait sur les vieux animaux. On va quand même prévoir la construction. Alors ici. Ici on voulait tourner vers les champs, ce sera plus joli. Voilà. Ça, il me faut 8-4-2. Ouais, on pourra en mettre deux, l'un à côté de l'autre. Ça serait pas mal. Nous avons du cuir en réserve, donc je vais demander la construction de quelques traîneaux en plus. On a dépassé 45 habitants, donc je pense que 5 traîneaux en plus, ça sera pas mal. On va monter à 15 traîneaux. Un marchand est arrivé. Bonjour marchand. Commission élevée. Au revoir marchand. Et
alors cette année, avec les nouveaux champs de légumes qu'on a plantés, on va avoir des meilleures réserves à la fin de l'été. Est-ce qu'on va chasser? Oui, on va chasser. Chasser tout ça. Il n'y a pas besoin de capturer les moutons. Au niveau des naissances, ça se passe bien. Quoique, on va quand même capturer. Vous avez des bouquetins. Du côté des moutons, ça m'intéresse. Capture les mouflons. On va tuer leurs parents. On va tuer tout ça. Et alors, par ici, j'en ai aussi, oui. Hop, capture, massacre. Massacre de ça. Massacre de ça. Ça vous occupera pendant les mois d'été. Pendant cette fin de printemps. L'été est arrivé. J'ai peut-être pas leur demander de partir chasser des trous perdus sur Blade pendant qu'ils font leur récolte. Même si a priori toutes ces récoltes se passent bien. L'humain est des 48-52. On va peut-être se remettre à construire des huttes aussi. Faire quelques-unes. Ici, on va mettre un foyer. Un cercle de hutte autour de ce foyer. Voilà qui est pas mal. Et alors de combien de points d'expérience, enfin de connaissances on a besoin, il nous en faut 20 pour débloquer l'âge du cuivre. Commencer à faire de la métallurgie. Ce qui va pas mal changer la donne. Et dans 6 points on sera bon. Peut-être construire quelques tours de défense en plus. Là où je peux en placer, là où il y a moyen d'en squeeze un peu. Ce qui va être difficile parce que j'ai construit très compact. Ici, on peut mettre quelque chose. Ici, on peut mettre quelque chose. On a 33 animaux qui ont besoin d'un abri. Donc on a bien fait de construire des abris en plus vu qu'on était à 30 au début de l'année. 30 places disponibles au début de l'année.
Alors, ce marchand-ci, est-ce qu'il prend une grosse commission? Non, commission faible, ça c'est intéressant, parce que débarrasser de ceci, d'être tenu en pot. Et avec ça, on va épargner un peu la collecte de silex. On va acheter des outils silex. On va faire la pointe avec un os. Et nous y voici. Plus que 5 points de connaissance avant de passer dans la métallurgie. Et au niveau du rangement général, peut-être essayer de rajouter des greniers pour libérer les huttes de rangement. Si ça ne passe pas, ici non plus. Avoir un grenier ici. Et je voulais rajouter quelques légumineuses ici. On va rajouter avant l'hiver. Peut-être laisser la colline avec le menhir libre. Attaque de pierre. Je suis en train de planter. On va en avoir la paix 5 minutes ici. Ils sont 4. Bien, on va quand même sonner l'alerte. Donc on voit qu'en cas d'alerte, ceux qui n'ont pas d'armes sur eux commencent par rentrer dans une maison ou dans une hutte de rangement pour chercher une arme. Donc ils s'équipent tous intelligemment. Et les pilleurs font ça intelligemment aussi puisqu'ils arrivent par le côté où j'ai moins de défense. J'ai quand même deux archers dans cette tour de guet. Voyons ça du point de vue de la tour de guet d'ailleurs. Ils vont tuer un mouton. Ils ont tué un chien. C'est scandaleux. D'ailleurs, au sujet des chiens. Est-ce qu'on peut reconstituer un petit peu ça? C'est quoi ça? Ça, ce sont des lions. Peut-être pas essayer de s'approcher de ces lions. Enfin quoique. C'est vrai, je reviens au village. Là, de toute façon, ils n'ont pas forcément repris leurs activités. Est-ce que je peux avoir un groupe de chasseurs? Mon gros groupe de chasseurs. Venez ici. On peut s'occuper de ces lions. Venez ici au pas de course. Traverser la nage, ça vous fait un triathlon. On a un qui a eu l'intelligence de prendre le passage à gué. Pas trop en demander à des chasseurs. Ils font ce qu'ils peuvent. Ok. Alors, entre temps, les lions, ils ont émigré vers un autre continent, c'est ça? Et non, c'est pas drôle. C'est vrai, ils sont... Ah. Allez, me tuer celui-là. Tuer celui-ci qui est un tout petit peu à l'écart plutôt.
Évidemment, j'en ai un autre qui réagit. Et il y en avait un troisième. Et tu fais ça. Ok, et il est petit. Merci beaucoup pour votre service. Faites ce que vous voulez maintenant. Même si ça ne répond pas à la question de est-ce qu'on a des loups? Est-ce qu'on a des loups dont on peut capturer les petits? Non. On verra ça après l'hiver. On a vu que ça manquait un petit peu de défense par ici. Et y remédier. C'est plus d'actualité. Et ces animaux sont pas nécessaires de les passer par les armes. On n'est pas du tout en déficit de cuir. Est-ce que les traîneaux ont été construits? Les 5 traîneaux demandés ont été construits. Ça c'est bien. Rajouter la construction de 2 huttes pour arriver à une capacité de 80 personnes. À côté, et puis on va mettre aussi de quoi travailler le cuir. C'est pas ça que je voulais, c'était en atelier de tanner. Le marchand est arrivé, mais ne vend pas grand chose qui m'intéresse. Mais par contre, j'ai de la laine, en excédent, donc on va peut-être se débarrasser du 10 tissus en laine. 10 pelotes de laine, ça nous fait 120. On va pouvoir acheter avec ça. En fait, on ne va pas se débarrasser de tant que ça. On va acheter tout ça. Et ça tombe parfaitement bien. Capacité 80. Abattez-moi ce boulot. Niveau nourriture, on est toujours bon, et cette fois-ci, pour l'hiver arrivé, on a encore des légumes secs. Donc effectivement, les nouvelles parcelles qui ont été ajoutées ici aident déjà beaucoup. Un point de connaissance en plus parce qu'on a survécu à l'hiver, très bien. On va mettre les ordres de ramasser ces pierres aussi, dégager le chemin. Je ne vois pas de loup. On a 24 moutons, un cochon. C'est pas nécessaire de capturer d'autres animaux. On va les laisser faire les plantations et puis on va leur dire de massacrer ces quelques sauvages. Avec un peu de chance, ça nous fera le point supplémentaire qui nous manque. Je pourrais regarder ici le
le détail de la progression pour la chasse, mais non. On va le faire en intuitive. Après tout, ça va nous faire de la viande, ça va nous faire du cuir, ça va nous faire des os. Pas se plaindre de ça. C'est pas grave. Ok. Bien. Bien. Nous pouvons passer à l'âge du cuivre. En prenant ça. Alors on nous prévient que ici on va passer à l'âge du métal et que ben en fait ça serait bien de se fortifier parce que souvenez-vous les pillards sont au même niveau technologique que nous, du moins dans ce mode de jeu dans lequel on est, en mode normal ils sont au même niveau technologique que nous, donc à partir du moment où on arrive dans l'âge du métal, ils vont nous attaquer avec des armes en métal. Si on était en mode extrême, ça ne serait pas le cas. Ils avanceraient à leur propre rythme, donc on pourrait très bien se retrouver à être attaqué avec des armes en métal, alors que soi-même on n'a pas encore découvert le travail du métal. Bien, donc, nous allons pour la métallurgie. Pour l'instant on peut travailler que le cuivre, donc on va commencer par mettre une mine. Les gisements de cuivre, on les reconnaît à leur veine vert de gris. Donc on va mettre une mine de cuivre ici. Ensuite, peut-être relativement à proximité de tout ça. Alors je le mets dans le village. Ouais, on va rester sur une construction de village compact. Ensuite, il va nous falloir faire du charbon à partir de bois. Avec ce charbon, on va faire fondre du métal. Comme ça. Et ce métal fondu, on va le travailler. On va se mettre ici en face, voilà. Peut-être même mettre un entrepôt à proximité, non pas un grenier. Stockage, c'est ça que je voulais, merci. On va mettre tout de suite à proximité. Construisez-moi tout ça, merci. On va passer dans le monde merveilleux du métal. Bien, la mine de cuivre est construite. Et on a quelqu'un qui travaille dedans. Nos structures ici sont construites, et je me dis d'ailleurs que j'aurais dû placer également, puisque je veux leur faciliter la vie au niveau production, je vais leur mettre aussi, on va leur mettre un tas de bois à proximité, puisque du bois va être utilisé par le charbonnier ici, et puis on va mettre un stockage de pierres. On pourra amener le minerai. Est-ce que je peux choisir ce que je stocke dans le stockage de pierre? Pas de silex. Pas de pierre. Je veux juste du minerai. Et alors, dans l'autre stockage de pierre, ça va être l'inverse. Je ne veux pas le charbon et je ne veux pas la pierre dans ce stock-ci. Je veux que tout ça reste là. Très bien. On a du charbon qui est en fabrication. Et on a ici le tout début de la fonte. Première personne qui travaillait à la fonte.
derrière ton mouton. Ça, ça tombe bien. Parce qu'on a un marchand qui est arrivé. Et on va pouvoir acheter des choses. Ok, il y a une commission faible en plus. C'est très bien. On va se débarrasser d'un peu de laine. On va se débarrasser d'un peu de lin. On va lui acheter du minerai de cuivre. On va lui acheter... On va lui acheter des outils. On va lui acheter... quelques couteaux en silex. On va lui acheter... tous ses légumes secs. On va lui acheter sa farine aussi. Ça c'est trop. Ok. On va presque lui acheter tout ce qu'il a. Le tout avec un peu de laine. La laine c'est très vite un très bon plan. Alors on va déplacer ses zones de travail pour continuer de déboiser par là. Voilà. Alors ici j'ai dit qu'on pouvait fabriquer du cuivre, la production de bronze automatique est encore là, mais on ne peut pas encore faire de bronze de toute façon, donc ça c'est pas un problème. Et alors ici, dans l'atelier de métallurgie, nous allons fabriquer automatiquement des lances. Et nous allons fabriquer des faucilles en cuivre, parce que ça sera je pense un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, ça a la même valeur que... même valeur de récolte que les faucilles en silex. Bon, on va les laisser faire. Le cuivre, c'est un bon début. Et c'est pas forcément le meilleur des métaux pour faire des outils. Alors on en est à 39 animaux. Sur une capacité de 50. Ok, il y a encore de la marge. Faut accélérer le temps. Un traîneau inutilisable. Passez-le. Traîneau inutilisable en plus, remplacez-le. Dix points de connaissance, on peut prendre quelque chose. La domestication de la vache ou des arbres fruitiers? Je pense qu'on va domestiquer les arbres fruitiers. Ça va nous permettre de planter des arbres. Ça va nous prendre quelques années d'ailleurs de les faire pousser ces arbres. On va en planter quelques-uns par ici. Parce qu'on voit que quand on avance, au niveau récolte de baies et de fruits sur l'hiver, sur l'été, c'est pas forcément génial génial et ça ne permet pas de tenir tout l'hiver. Alors on va planter en tout cas des châtaigniers. Parce que les châtaigniers ça nous donne des châtaignes qui se conservent très bien. Donc on va pouvoir garder, même au travers de l'hiver. Hop, hop. Ici, on commence ici. C'est les châtaigniers. On va faire une belle parcelle de châtaigniers ici. Voilà. Il va falloir un certain temps pour que ça pousse. C'est pas grave. On a largement de quoi faire avec la nature jusqu'ici. D'ailleurs, je voulais avoir de nouveau des chiens en plus, et il n'y a toujours pas de loups qui se promènent dans les parages. Ceci est de la provocation. Même en allant un peu plus loin, pas de loups, pas de loups. Pas de loups. Pas de loups. Par contre, je vois qu'on a plusieurs mégalithes dans le coin. Donc on va peut-être... on a vraiment beaucoup de mégalithes dans le coin, donc on va se lancer sur un projet à long terme. Enfin à long terme relativement à ce qu'on a fait par jusqu'ici. Je vais déjà prendre, comme c'est le thème du jour. On va prendre ce qui sera la miniature de l'épisode.
Bien. Et on va construire quelque chose qui en plus est un palier, je suppose. Ouais, je me souviens bien. On va construire un cercle mégalithique. On va se construire Stonehenge. Non, c'est ça que je cherche, spiritualité. Cercle mégalithique. Alors, si le... Ouais, là-dessus c'est vaguement une colline, ça sera bien. Et donc si le menhir était composé d'un seul mégalithe, celui-ci va nous en falloir 6. Et ça va être la même procédure, c'est-à-dire trouver des mégalithes, les dégager de la roche qui est autour, les préparer pour le transport, les transporter jusqu'au chantier. Donc il nous en faut 6, on en a déjà marqué 1, 2, 3, 4, 5, et voici un sixième. Voilà qui sera très bien. On va d'abord avoir des gens qui vont venir dégager ça. C'est pas urgent, urgent. Accélérons le temps. Clairement, c'est pas sur les 10 minutes restantes de cet épisode-ci qu'on va voir, ce cercle construit. Ce stockage-ci est presque plein. Un autre stockage de pierre. On va se faire un petit quartier de métallurgie par ici. Et le tas de bois, ça va. Ok. Est-ce que je dois réduire un peu la population animale avant l'hiver? 45-50. Ouais, si j'ai quelques naissances, ça va mal se passer. On va mettre en pause et on va sélectionner quelques vieux. J'ai 32 moutons. Ouais, réduire la population de moutons en repérant quels sont les moutons ternes. Les moutons ternes sont les moutons vieux. Ça en fait déjà 3, où sont les autres? Passer un par là, qui avait l'air un petit peu terne. Toi t'es vieux, non? Toi t'es vieux. Ok. Alors comment je confirme ça? C'est ici ils apparaissent en blanc. Si je prends un adulte, vous verrez qu'il est un petit peu en beige. Ils font la même taille. Donc ces quatre là, vous allez déjà y passer. Oh, d'ailleurs, non. 13 cochons. On va peut-être supprimer un ou deux vieux cochons. Ça me fait un vieux. Ça, ça me fait un vieux. Hop, on reboit. Est-ce qu'il faudrait surtout pas arriver dans une surpopulation animale en plein hiver? Parce que ça nous ferait des animaux qui seront perdus pour rien. On voit ici nos châtaigniers qui sont en train de pousser. Et il est bien évident que c'est pas cet automne-ci qu'on aura des châtaignes, et c'est... De mémoire, je dirais que c'est pas non plus l'automne prochain qu'on en aura, ça sera celui après. Le marchand est arrivé, il peut me vendre une technologie... Commission élevée. Ah non, il me vendra cette technologie trop chère. Tant pis. Une mine de silex est épuisée. Bien. Pas grave, parce que si je me souviens bien, j'avais vu un autre gisement de silex ici. On va mettre là. Parce qu'évidemment, maintenant qu'on a commencé à miner, on va consommer des pioches plus vite. Comme tout le reste, les outils se dégradent avec le temps, mais ils se dégradent plus vite quand ils sont utilisés, c'est tout à fait logique.
Et donc, jusqu'ici, on utilisait des pioches que pour extraire de la pierre de temps en temps, mais on en utilisait beaucoup moins. Alors que maintenant, avec la métallurgie, voilà, c'est actif. Alors, je mets en pause pour vous montrer. Maintenant qu'on est passé à l'âge du métal, on est arrivé à l'âge de cuivre, et j'ai ici une notification de disparition d'animaux. Nous n'avons plus de mammouths, nous n'avons plus de rhinocéros laineux. Ça c'est pour avoir l'évolution visible aussi dans la faune sauvage. Quand on avance dans les périodes, on se retrouve avec des animaux différents. On avait déjà les ours des cavernes qui avaient disparu, qui ont été remplacés par des ours ordinaires. Je ne sais pas si c'est déjà maintenant qu'on va arrêter de voir des mégalocéros. C'est sincère, pas concerné. Alors, parmi les mégalithes que je voulais dégager, il y en a qui sont prêts. Celui-là est prêt. On va le préparer pour le transport. Et on va l'amener. Et ce petit tas de silex, je pense qu'on va, le ramasser. Silex, là, mais... Oui, on va ramasser ça. Allez-y. Allez-y plus vite. Construisez deux traîneaux en plus. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, on devrait avoir débloqué déjà maintenant ceci, un atelier. Un atelier, c'est un peu comme... C'est un peu comme ceci, comme un tablier d'artisanat, mais en plus évolué. Oui, production, atelier. On va construire un atelier ici. Parce que dans l'atelier, je pourrais retenir directement à l'atelier la construction de ce genre de traîneau. C'est pour ça que j'y pense maintenant. Du côté de notre mégalithe. Presque prêt pour le transport. Voilà quelqu'un qui a terminé de le préparer. On devrait avoir arrivé à un moment ou l'autre des gens pour le transporter vers notre vers le chantier de notre cercle. Le marchand est arrivé. Le marchand me propose quoi avec une faible commission? Il me propose une technologie. Il me propose une technologie et moi j'ai plein de laine. 260. Ah bah, non. De lin. Peut-être d'ailleurs lui donner plus de lin et moins de laine. Allons-y. Comme ça, on l'a. Après tout, c'est pas périssable. Et on a ici notre atelier qui est en bonne voie. L'atelier est fait. Dans l'atelier, on peut faire des choses un peu plus évoluées. Vous voyez qu'on a ici les frondes et les arcs qu'on pouvait déjà faire à l'établi d'artisanat. On peut aussi faire des arcs composites, en tout cas quand on aura la technologie pour le faire. Et on peut faire des cannes à pêche. Les cannes à pêche sont plus efficaces que les harpons, donc on va construire des cannes à pêche. Ici, on va lancer la construction des cannes à pêche, parce qu'après tout, on a du lin en suffisance. On a une production de lin qui est supérieure à ce dont on a besoin pour produire des vêtements. Et ici, je vais donc désactiver la production de harpons en os. Et les os vont devenir aussi des... vont devenir aussi des devises. On va aussi les vendre aux marchands aussi souvent que possible. Peut-être rajouter une... Toi t'es vieux, tu t'en vas. Et je vais rajouter une structure de défense un peu par ici. Est-ce que je peux la mettre là? Ah, ah. Je peux la mettre là, c'est parfait. Et le mégalithe
on devait déplacer. Où est-il? Il est en chemin. Ça va nous prendre plus de temps, évidemment, parce que la distance est beaucoup plus grande. Donc des gens vont se relayer. Ils vont tirer. Quand il y en a qui sont trop fatigués, ils s'en vont. Ils vont faire autre chose. Et puis d'autres vont venir. Donc c'est assez courant que déplacer un mégalithe comme ça sur une grande distance, ça prenne des mois, littéralement. Ça peut prendre plusieurs saisons, ça peut même prendre plusieurs années. Et on finira par en amener 6 ici. On va en amener 6, un à la fois. Quoique, on pourrait déjà en préparer un deuxième, mais je pense que. Au niveau de la main-d'œuvre, comme on a encore pas tant de monde que ça, et qu'on n'est pas pressé, on va en transporter un à la fois. Ça permettra de recycler au maximum les matériaux qu'on utilise pour le transport, et surtout, ça permettra de mieux utiliser la main-d'œuvre des gens. Nouveaux moutons, 4 nouveaux cochons. Ça nous emmène à 46 animaux sur 50 emplacements. Faudra pas oublier pendant l'été de tuer quelques-unes de ces bêtes. Mais ça sera au prochain épisode, puisqu'on est arrivé à 40 minutes ici. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Voilà, nous entamons l'âge du cuivre. Et nous entamons assez bien l'âge de cuivre, vu qu'on a déjà, parmi nos lances, on a déjà 8 lances de cuivre. Voilà qui est pas mal. Voilà. C'était JKB, c'était Dawn of Man, et à ciao, bonsoir.